Donc, Kevin Arsenault, bonjour. Merci de participer à cette entrevue pour Extinction Rébellion, les Rebinaires, comme on les appelle. Kevin, tu es conteur, musicien, diplômé en tourisme-aventure, géographe, enseignant et député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que tu as d'autres choses à mettre Je à suis ton CV paysan. quand même impressionnant? Ouais, je suis paysan aussi. Je suis membre d'une coopérative de paysans. Donc, on a une ferme dont je suis encore impliqué, là. OK. Bon, on va d'ailleurs en parler un peu plus tard. Je vais te poser comme première question, étant donné que ce webinaire-là concerne surtout la souveraineté alimentaire, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. Fait que je voudrais que tu m'expliques c'est quoi en fait la souveraineté alimentaire, c'est quoi ce concept-là? Oui, ben la souveraineté alimentaire, on entend souvent parler d'autosuffisance alimentaire ou de sécurité alimentaire. Ça, c'est juste un élément parmi tant d'autres qui se trouve dans la souveraineté alimentaire. Fait que la souveraineté alimentaire, dans le fond, si on prend vraiment la définition la plus simple, c'est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée qui est produite avec des méthodes durables. Et le droit des peuples de définir leur propre système alimentaire. Puis, il y a sept piliers fondamentaux à la souveraineté alimentaire. Puis, lorsque j'utilise cette définition ici, c'est la définition, dans le fond, de la Via Campesina. La Via Campesina, qui est un organisme parapluie, là, qui chapeaute des organismes agricoles et au-dessus de 200 millions de paysans et paysannes autour du monde. Puis c'est ça, les sept piliers de la souveraineté alimentaire. Le premier pilier, c'est mettre l'accent sur les besoins alimentaires des peuples, donc de mettre les besoins alimentaires là, des populations au cœur des politiques. Donc, il faut qu'on commence vraiment à voir l'agriculture comme façon de nourrir les gens. Et c'est souvent pas le cas dans nos gouvernements. Souvent, les départements d'agriculture ou les ministères d'agriculture sont là comme un peu un aile de développement économique viré vers l'exportation de produits. Mais il faut que d'abord et avant tout, que l'objectif soit de produire de la nourriture qui nourrit le peuple du territoire. Le deuxième pilier qui est très important, c'est parfaire les connaissances et les compétences. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à avoir un équilibre entre ce qui est les savoirs traditionnels et puis utiliser la recherche pour appuyer ces savoirs puis les transmettre aux générations futures. Et souvent, on peut voir l'évolution de notre système alimentaire avec les méga industries, les nanotechnologies là, comme les OGM ou même certaines compagnies qui arrivent à mettre des lettres patentes sur des graines. Et donc, ça va complètement à l'encontre de la souveraineté alimentaire lorsque les paysans et paysannes ne contrôlent pas leurs sources. Dans le fond, de semences, ça fragilise énormément notre système alimentaire. Le troisième pilier, c'est travailler en harmonie avec la nature. Donc, les écosystèmes qu'on a dans toutes les régions du monde sont différents. Et donc, ça reste, dans le fond, à chaque ferme et à chaque région de développer une agriculture qui optimise les contributions de ces écosystèmes-là. Puis d'essayer de s'assurer que le paysan, la paysanne travaille là en concert avec la nature. Le quatrième pilier, c'est il faut valoriser les fournisseurs d'aliments. C'est le paysan ou la paysanne produit de la nourriture. Et d'abord et avant tout, puis il faut honorer ce travail-là. Donc, ça prend aussi en compte, quand on parle de souveraineté alimentaire, les conditions sociales et les conditions en général des gens qui produisent la nourriture, donc des fournisseurs d'aliments. Le cinquième pilier, c'est circonscrire les systèmes alimentaires à une échelle locale, de réduire la distance entre les fournisseurs d'aliments et les consommateurs. Donc, il faut vraiment arrêter de voir
l'agriculture, dans le fond, comme une source d'exportation d'aliments continue. Nos gouvernements, pendant longtemps, voient l'agriculture comme juste un aile de développement économique. Mais ça amène beaucoup de problèmes, dont le dumping alimentaire. Donc, quand on a des surplus, on va aller dumper ça dans certains endroits qui va faire une fluctuation de prix et tout. Ça voudrait aussi dire d'enlever l'alimentation ou les produits, dans le fond, agricoles des traités de libre-échange, ce qui mine incroyablement les systèmes alimentaires locaux. Puis, c'est aussi de résister continuellement à la dépendance envers les entreprises qui sont transnationales et souvent très irresponsables, parce que eux, c'est pas la nourriture qui pense ça, c'est les profits. Le sixième pilier de ce qu'on entend par souveraineté alimentaire, c'est implanter le contrôle localement. Donc, il faut donner le contrôle aux fournisseurs d'aliments locaux, il faut donner le contrôle aux paysans et aux paysannes directement. Du système alimentaire en concert avec la communauté dont elle dessert. C'est reconnaître aussi la nécessité d'habiter puis de partager des territoires. Puis c'est définitivement de combattre la privatisation des ressources naturelles. Donc, comme je parlais tantôt, il y a des compagnies qui arrivent à mettre des lettres patentes sur des semences. Les fermes industrielles, de plus en plus, vont compter sur des grosses industries, dans le fond, pour faire venir leurs intrants. Il faut vraiment arriver, dans le fond, à créer des systèmes qui sont fermés localement pour que il y ait le moins d'intrants qui sont importés que possible. Et donc, on peut profiter de nos écosystèmes puis nos milieux pour pouvoir subvenir, disons, au cycle naturel de la ferme. Puis le dernier pilier, bien, c'est de reconnaître le caractère sacré des aliments. Donc, à la fin de la journée, un aliment n'est pas une commodité qui est échangeable, mais c'est un droit humain fondamental. On l'a vu avec la pandémie du COVID. Il y a plusieurs raisons, mais la demande pour certains aliments est descendue drastiquement. Pourtant, il y a encore le même montant de gens qui mangent à chaque jour. Il y a du gaspillage alimentaire. On ne gaspille pas des aliments qui sont sacrés. Donc, il faut commencer à voir, dans le fond, les aliments comme quelque chose qui est fondamental, qui est un droit humain fondamental. Super intéressant. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment de décentraliser l'alimentation, décentraliser l'agriculture à sa plus petite division, d'une certaine manière, puis redonner le pouvoir de l'alimentation au peuple, à la population, pour qu'ils savent eux-mêmes c'est quoi leurs besoins alimentaires, d'une certaine manière. Absolument. Puis il y a ce qu'on appelle aussi, tu sais, tout le concept de la nourriture qui est culturellement appropriée. Dans la définition du début que j'avais donnée, on parlait de produits qui sont culturellement appropriés. Donc, c'est bien normal, c'est bien bon, dans le fond. Si je prends juste l'exemple du blé, par exemple, les Français ont une façon de faire du pain qui est différente que les Irlandais ou que les Béninois ou les Philippins, ou les Acadiens, les Québécois. On a une différente utilisation des aliments. Il y a des aliments qui font partie de notre culture. Donc, quand on arrive dans un système qui est mondialisé de l'alimentation, bien, il peut y avoir du dumping. Il peut y avoir aussi l'introduction de malbouffe ou de nourriture qui est moins culturellement appropriée. Et c'est là qu'on voit des anomalies incroyables comme des entreprises qui, à la fin de la journée, vont ajouter, disons, du sirop de maïs dans le miel pour pouvoir faire un plus grand volume de miel. Et donc, on ne mange pas du miel, on mange quelque chose qui est 50 % miel, 50 % sirop de maïs. Fait que ça, c'est tout à fait aberrant à mes yeux. Mm-hmm. Quelque chose que j'ai vu en lien avec ça, c'est un peu le débat en ce moment entre faire
une culture à l'année, disons, en serre, même en plein hiver, mettons les fraises ou différents aliments qui se retrouvent qui sont poussés dans les pays chauds, ou bien faire ça, ou bien sacrifier la diversité alimentaire qu'on peut avoir, le confort un peu alimentaire qu'on retrouve dans nos épiceries. C'est quoi que vous en pensez? C'est quoi que tu en penses de ce débat-là, disons? Bien, c'est certain, je veux dire, les gens, faut de plus en plus qu'on, comme individu, mais aussi collectivement, sociétalement, qu'on regarde à ce qu'on a comme ressources, puis d'essayer d'utiliser ces ressources-là dans une façon, encore une fois, qui est durable. Mais il y a plein de façons pour les climats nordiques de faire pousser des aliments en hiver. C'est juste que c'est certain que la diversité va descendre. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on va arrêter complètement les importations et les exportations d'aliments, mais il faut certainement encourager l'innovation qui est durable, parce qu'il y a une innovation qui n'est pas durable, mais t'sais, on est capable de faire pousser de l'épinard en plein hiver avec une serre qui est juste chauffée à peu près à 4 degrés. Donc, ça, c'est des possibilités. On n'est pas obligé de chauffer une serre à 32 degrés pour pouvoir faire pousser des aliments pendant l'hiver. Fait qu'il y a aussi une adaptation à faire dans notre alimentation personnelle, dans la créativité de nos restaurateurs aussi, d'avoir des menus changeants avec les saisons qui suivent un peu les saisons. Puis là, ça m'amène peut-être sur un sujet qui est des fois un grand débat dans le monde des écologistes ou des progressistes en général, mais aussi quand on pense à utiliser nos ressources qui nous sont disponibles, qui sont culturellement appropriées et adaptées à nos milieux, ben là, on rentre dans la production de viande aussi versus le véganisme, des fois qui est très militant. Mais qui s'impose un peu comme un nouveau système colonial dans certaines régions comme le Grand Nord où on s'attarde sur les peuples inuits parce qu'ils mangent des phoques, mais en même temps, c'est une nourriture qui est culturellement appropriée, qui fait partie du système alimentaire local, puis qui fait partie aussi de la réalité de se nourrir dans une région comme ça. Donc, d'arrêter des groupes ethniques comme ça, de pouvoir, dans le fond, s'alimenter sur leur territoire, sans être obligé d'importer continuellement de la nourriture d'ailleurs, pour moi, c'est une forme de colonialisme. C'est une nouvelle forme de colonialisme, mais je sais que des fois, dans ce débat-là, on peut aller un peu loin. Ouais, je comprends. Puis justement, ces peuples autochtones-là ont dans leur tradition de faire de la chasse durable, justement. Genre, ils ne vont pas surchasser leurs phoques, par exemple, parce qu'ils savent de des connaissances ancestrales qu'à un certain moment, t'en auras plus de phoques si tu fais la surchasse. D'élevage des paysans, des paysannes éleveurs avec les animaux. Les animaux sont une partie intégrante d'un système de ferme. Sans les animaux, on n'est pas capable de produire les légumes. Sans rentrer dans une monoculture intensive d'autres produits pour arriver à fixer de l'azote dans le sol, par exemple. Je crois sincèrement, que la lutte commune qu'on a, c'est de lutter contre le système agricole industriel pour arriver à un système agricole qui redevient paysan, qui redevient à petite et moyenne échelle. C'est ça notre lutte commune. C'est là qu'on devrait être en train de se concentrer, les progressistes, amener un système alimentaire qui est basé dans nos localités avec les réalités climatiques qui nous sont données. À l'échelle humaine, comme on dit. On se parle, toi, tu es du Nouveau-Brunswick, moi, je suis du Québec. On a peut-être des réalités différentes au point de vue de la souveraineté alimentaire, justement. Mais comment, c'est quoi la situation au Nouveau-Brunswick au point de vue de votre accès à l'alimentation qui est locale?
elle est très mauvaise. On est dans une très mauvaise posture au Nouveau-Brunswick. Vous donner une idée, depuis que moi je suis né, en 1985, on a perdu à peu près 40 % de nos fermes au Nouveau-Brunswick. Il nous reste plus ou moins 2200 fermes dans la province. Donc, c'est un chiffre qui est complètement fou. Les derniers chiffres que j'ai été capable de voir et de calculer, on dit qu'on produit à peu près au Nouveau-Brunswick 3 % de ce qu'on mange. On produit seulement 8 % des fruits et légumes qu'on mange au Nouveau-Brunswick. Après ça, au Nouveau-Brunswick, on a un système alimentaire qui est beaucoup viré des derniers 40 ans, qui a été propulsé vers l'exportation. Donc, si je prends la patate, par exemple, on produit de la patate à 1000 % de nos besoins. On produit beaucoup plus de patates qu'on a de besoin. Mais malgré le fait qu'on produit plus de 100 % des patates qu'on a besoin, on importe encore 80 % des patates qu'on mange, des patates de table. Parce que ici, on a une grosse compagnie, une transnationale, qui est McCain's, qui fait les patates frites pour McDonald's, pour plusieurs fast-foods, puis pour les consommateurs en général aussi. McCain's achète toute la patate, contrôle le prix de la patate. Fait que souvent, la patate néo-brunswickoise leur coûte moins cher. Fait que là, on va importer de la patate pour ensuite vendre aux consommateurs. Donc, c'est le système complètement à l'envers. Puis ça, c'est ce qui arrive, dans le fond, quand ton système alimentaire est basé sur une exportation de produits. Puis les gouvernements continuent d'aller dans ces pistes-là parce qu'on calcule encore le succès ou non d'un gouvernement par l'augmentation ou la diminution du produit intérieur brut, donc du PIB. Puis tant aussi longtemps qu'on va utiliser ça comme notre point, bien, c'est certain que le plus d'exportations qu'on fait, le plus haut notre PIB va être, donc le plus que les gouvernements vont pouvoir dire « on a fait du bon travail ». C'est un justificatif, d'une certaine manière, d'une meilleure économie, on dirait. Ça, Notre situation au Nouveau-Brunswick est en très piètre état. C'est comme je dis tout le temps, moi, en tant que critique agricole pour le Parti vert du Nouveau-Brunswick, je pense qu'on est rendu à un point au Nouveau-Brunswick qui est tellement critique qu'on ne peut pas perdre une autre ferme. Donc, il faut qu'on arrive à aider à transitionner. Puis, à un moment donné, j'ai fait une tournée provinciale, puis j'ai été voir des gros acteurs agricoles, des gros producteurs. Puis, il y en a beaucoup qui me disaient, tu sais, ils se plaignaient ou ils disaient, Kevin, je suis tellement jaloux de votre système où ce que vous faites encore une agriculture à petite moyenne échelle, à échelle humaine. Il dit, nous autres, on a été forcés par le système de devenir de plus en plus gros, puis de plus en plus gros. Puis là, on est pris dans cet engrenage-là avec des millions de dollars de dettes. Mais il dit, si je pouvais faire ça, puis redevenir un petit agriculteur, puis avoir une entreprise qui est viable, qui est durable, qui est résilient, il dit, je le ferais demain matin. C'est là. Fait que beaucoup des grands agriculteurs, vraiment, là, quand ils sont agriculteurs, là, quand ils sont paysans dans l'âme, là, ces gens-là voient le système et ont été, dans le fond, par la force des choses, amenés à produire de cette façon-là. Puis là, après ça, un des gros problèmes en agriculture, c'est les investisseurs agriculteurs. Ce ne sont pas des vrais agriculteurs, c'est des gens qui restent dans leur camion, qui sont sur le téléphone, sur l'ordinateur toute la journée, puis qui gèrent des fermes. Mais dans le fond, ils sont juste investisseurs. Ils ne sont pas paysans. Ils n'ont aucun lien direct avec la terre, avec l'écosystème qui farm dedans. Puis ça, pour moi, c'est un des facteurs qui a amené notre agriculture là où elle est. Puis ce serait quoi, mettons, les solutions pour ces petits agriculteurs-là de faire la transition vers un modèle qui ressemble plus au vôtre? C'est quoi, comment ils feraient pour passer ces obstacles-là qui se trouvent devant eux, dans le fond? Oui, il y a beaucoup, c'est quand même 40 ans de politique agricole là, qui ont forcé la majorité de ces agriculteurs-là. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Je pense que dans le cas du Nouveau-Brunswick, une des premières choses qu'on doit faire, c'est d'ajouter, puis vous l'avez déjà au Québec, mais le mot « alimentation »
à l'intérieur du titre du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches au Nouveau-Brunswick, il faut ajouter le mot alimentation. Donc, ça devrait devenir le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture, de l'Alimentation et des Pêches. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dans le gouvernement soit en train de réfléchir sur comment faisons-nous pour nourrir les Néo-Brunswickois, les gens du territoire, dans le fond. Puis, c'est pas un protectionnisme, c'est dans le fond, c'est du sens, c'est du bien commun, c'est nourrir les gens. C'est pour ça que les agriculteurs font de l'agriculture, c'est pour nourrir leurs voisins, leur communauté élargie. Mais c'est d'abord et avant tout la vision et la philosophie de notre gouvernement. Ensuite, je crois que si on regarde des solutions à court terme, il faut maintenant commencer à équilibrer, dans le fond, nos efforts. Du moins, ça, c'est le strict minimum qu'on doit faire, mais c'est équilibrer nos efforts de production locale avec nos productions d'exportation. Fait que c'est pas de changer du jour au lendemain tout le système agricole. Puis là, si tu fais ça trop rapidement dans le système agricole, tu mets en péril les fermes qui sont déjà existantes. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, pour une petite province avec seulement 2200 fermes, nous n'avons pas l'option de perdre une autre ferme au Nouveau-Brunswick. Donc, il faut quand même avoir une transition. Il faut commencer à voir l'alimentation locale au même niveau que l'exportation, puis là, éventuellement, augmenter le côté de l'alimentation locale, puis d'avoir des façons d'encourager les fermes, dans le fond, vivrières qui sont là pour produire pour leur communauté. D'autres options, je crois qu'au Nouveau-Brunswick, encore une fois, différence avec le Québec, vous avez une réglementation assez stricte. Puis je dis ça, puis il y a des gros problèmes agricoles au Québec aussi. C'est juste qu'il y a certains éléments qui sont déjà, disons, le Québec a déjà passé à la prochaine étape. Je pense que c'est quand même bon de souligner là, les bonnes initiatives qui peuvent aider. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Québec, on a une réglementation. On ne peut pas apposter un produit du Québec sur un produit d'ailleurs. Il y a une différence entre un produit du Québec et un produit fait au Québec. Nous, on n'a pas cette distinction ici au Nouveau-Brunswick. Donc, une entreprise peut acheter des mille tonnes de pommes, les mettre dans un sac ici au Nouveau-Brunswick et puis ensuite dire c'est un produit du Nouveau-Brunswick. J'ai demandé la question dans un comité de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. J'ai demandé c'est quoi notre définition d'un aliment local au Nouveau-Brunswick. La sous-ministre m'a répondu, il n'y en a pas. J'ai dit donc, je veux essayer de comprendre. Si j'achète une banane à la Coop ou chez Sobeys ou chez IGA, puis que je la coupe, puis je la mets dans un petit contenant de plastique avec un couvert dessus, puis je marque produit du Nouveau-Brunswick. Est-ce un produit du Nouveau-Brunswick? Puis elle m'a répondu oui. C'est un produit du Nouveau-Brunswick. Donc, juste de prendre quelque chose, de faire une toute petite modification ici au Nouveau-Brunswick, ton produit devient un produit du Nouveau-Brunswick. Donc, ça nous prend de la réglementation pour pas que le consommateur soit dupé lorsqu'il pense qu'il achète un produit du Nouveau-Brunswick, que ça soit réellement un produit du Nouveau-Brunswick. Il y a des façons de faire ça. Comme je dis toujours aux consommateurs, la meilleure façon de faire ça, c'est d'acheter directement de votre fermier. C'est de développer une relation avec la ferme dont vous achetez les aliments. Mais ce n'est pas une option qui est disponible à tout le monde. Et donc, il faut avoir une réglementation comme ça qui permet, dans le fond, aux consommateurs de pouvoir faire des choix éclairés. Puis, on a déjà proposé ça à plusieurs reprises. Puis, dans le fond, ce qui arrête le gouvernement d'agir, c'est les lobbies. Les lobbies des chaînes d'alimentation. Donner un exemple, nous ici, les coopératives, là, les coop qu'on appelle, c'est IGA qui a le contrat de fournisseur pour nos coop. Et puis, les coop, c'est nos petites épiceries dans les plus petits villages, puis les milieux plus ruraux. Comme vous le savez peut-être, si vous rentrez dans un IGA au Québec, leur slogan, c'est « les produits d'ici ». Ben, c'est le même slogan ici au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est les produits d'ici.
Fait que moi, souvent, quand je vais au village, il y a des gens qui m'arrêtent et qui disent « Hey, c'est vraiment intéressant, j'ai acheté tes carottes à la coop. » Ah oui, comment tu sais ça? Ben, c'est marqué en gros les produits d'ici. Tu es le seul qui fait des carottes par ici. Ben, j'ai jamais vendu des carottes à la coop. C'est là. Fait que ça, c'est vraiment, ça vient trompeur, puis ça vient duper le mangeur, la personne qui mange les aliments, à croire qu'il a dans le fond supporté un système alimentaire qui était durable, quand dans le fond, il a supporté un système alimentaire qui est mondialisé, des produits qui viennent de partout. Puis dans le fond, il s'est fait pogner dans une spiruline de marketing. OK. Ah, mais c'est fou à quel point c'est facile d'abuser le système quand les législations ne sont pas trop claires. Là, c'est quand même, j'aurais pas pu croire ça. Puis justement, la proposition que vous avez faite à l'Assemblée législative, l'as-tu trouvé écho depuis que ça en a été parlé? Ben, moi, j'ai fait à quelques reprises des propositions. Ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait longtemps que je soulève la question de l'agriculture. Moi, j'ai été élu en 2018, mais déjà avant ça, j'avais travaillé avec des organismes agricoles, dont l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick, qui est un peu le pendant de l'Union paysanne au Québec. Alors, il y a un organisme mère, là, pan-canadienne, qui est l'Union nationale des fermiers. Puis l'Union nationale des fermiers est membre de la Via Campesina, dont je vous parlais au début. Okay. Il regroupe tous les paysans, ben, 200 millions de paysans dans le monde entier. Tout ça pour dire que j'ai fait plusieurs propositions. J'ai des motions qui sont présentement sur le plancher de la législature. J'ai aussi des projets de loi sur le système alimentaire. Et puis, avec la pandémie, c'est devenu un sujet un peu d'actualité. Beaucoup de gens dans la population ont commencé à se poser la question. Et donc, j'avais fait un plan de réaction à la pandémie pour augmenter notre production alimentaire au Nouveau-Brunswick, pour au moins encourager l'augmentation du système, parce qu'on a un système qui est très fragile. Et donc, ça a été présenté à un comité de cabinet. Ça a fait en sorte que le premier ministre a abordé le sujet. Il a abordé le sujet rapidement. Et puis, ça a resté lettre morte. Mais là, ça a revenu dans l'actualité quelques semaines plus tard. Et puis, je crois que c'est mardi, j'ai reçu un appel du premier ministre. J'étais dans la grange, ici à la ferme, puis le premier ministre m'a appelé pour me demander des questions par rapport à notre système alimentaire. Donc, est-ce que ça va mener à quelque chose ou est-ce que c'est juste une façon d'essayer de répondre, dans le fond, à la pression? Ça l'a permis de dire mon nom pendant une conférence de presse, dire qu'il m'en avait parlé. Moi, je me suis quand même positionné comme le député au Nouveau-Brunswick qui parle, qui chapeaute l'enjeu de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'aquaculture ou des pêches. Ou même du développement qui est hyper communautaire. Donc, est-ce que ça va vraiment amener des changements? Ça reste encore à voir. C'est certain que ce ne sera pas les changements révolutionnaires dont je pense qu'on a besoin. On s'entend que dans un système politique comme le nôtre, pour des révolutionnaires, c'est quand même assez difficile. Il faut des fois se frapper un peu dans le visage puis dire, bon, je vais accepter une mesure réformiste pour essayer d'améliorer le système en attendant qu'il y a un mouvement assez grand pour vraiment arriver puis faire le changement. Mais je souhaite qu'on arrive à faire des petits changements. À la fin de la journée, on a un gouvernement conservateur au Nouveau-Brunswick. Donc, les conservateurs. Ça complique les choses déjà à ce niveau-là, ça c'est certain. Absolument. Absolument. Puis, je veux dire, ma proposition était divisée en deux grosses sections, si vous voulez. Donc, la première, c'était de stabiliser et augmenter la production de fruits et légumes. Je pense qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent sur les fruits et légumes au Nouveau-Brunswick pour commencer, surtout en période de pandémie. Et puis ensuite, c'était d'encourager la production
pour les populations qui sont vulnérables et le jardinage. Donc, tout le concept de la souveraineté alimentaire, c'est aussi de redonner ce pouvoir-là au peuple de produire de la nourriture. Puis, on va toujours avoir besoin des paysans, on va toujours avoir besoin des éleveurs, mais de plus en plus de connaissances qu'on a individuellement, à savoir comment produire nos aliments et comment transformer nos aliments. Quelque chose qui a changé extrêmement dans les 40-50 dernières années, c'est la perte de connaissances de transformation des aliments. C'est ça qui fait qu'on gaspille énormément. Si on pense aux fruits et légumes, juste toutes les possibilités, dans le fond, de mise en pot maçon, de fumage avec des fumoirs, de fumer certains aliments pour les conserver plus longtemps. C'est pas juste pour le goût, le fumer, là, c'est aussi pour la conservation en tant que telle. Souvent, le monde va penser là, du bon saumon fumé, ça rajoute du goût, mais c'est au-delà de ça même. Là. Fait que c'est toutes des affaires qu'on a perdues au fil du temps. Absolument. La raison initiale du fumage était la conservation. Donc, c'est arrivé, dans le fond, à déshydrater quelque chose. Le retour aussi du sel dans nos aliments. On a été longtemps dit que le sel, c'est mauvais pour nous autres, ça fait monter la pression, puis tout ça. Bien, il y a une façon traditionnelle d'utiliser le sel pour enlever l'eau des aliments, pour ensuite pouvoir les conserver plus longtemps. Donc c'est beaucoup de connaissances qu'on a perdues. Et donc, collectivement, il va falloir qu'on retrouve ces connaissances-là pour pouvoir changer notre système alimentaire. Mm-hmm. Ben, je trouve que, justement, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, surtout depuis le début du confinement, de la crise sanitaire. En tout cas, au Québec, il y a beaucoup plus d'écho par rapport à tout ce qui est la culture maraîchère, tout ce qui est souveraineté alimentaire, tout ce qui est permaculture. Les gens veulent retourner vers ça un peu, quand on commence à faire des jardins de plus en plus. Puis on en entend aussi de beaucoup parler dans les médias, du moins au Québec. Je trouve que il y a du progrès là-dedans, malgré que, au point de vue gouvernemental, même si on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, surtout depuis que le PQ, au début des années 2010, ont fait cette motion-là à l'Assemblée nationale pour justement meilleur étiquetage de nos produits. On a aussi le même problème que vous avec les patates, avec notre industrie porcine, où est-ce qu'on produit 4 fois plus de porc que la population en a réellement besoin. Fait que il y a encore beaucoup de chemin à faire, là, ça c'est certain. Il y a une mauvaise. Je pense qu'il y a aussi au Québec le débat de la représentation de l'agriculture paysanne, donc le monopole syndical au Québec il peut poser problème aussi. Au Nouveau-Brunswick, nous, on a 2 organismes syndicaux. Donc, il y a l'Alliance agricole qui fait partie de la Fédération canadienne d'agriculture, dont est membre l'UPA au Québec. Et après ça, on a l'Union nationale des fermiers qui est vraiment là pour défendre des enjeux qui sont complètement différents. Fait que la pensée unique, elle est souvent au détriment de la souveraineté alimentaire. Mm-hmm. Je voulais passer à la question sur la main-d'œuvre étrangère, dans le fond, ce serait quoi ta position sur la bonification salariale des travailleurs locaux pour compenser la pénurie de main-d'œuvre étrangère due à la COVID? C'est quoi la situation au Nouveau-Brunswick? C'est quoi ta position par rapport à ça? Ben nous, au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a décidé, dans le fond, d'interdire l'entrée des travailleurs migrants temporaires et ça cause un énorme problème sur plusieurs fronts. Il faut penser, je veux dire, ça, c'est des êtres humains qui s'attendaient à avoir un emploi, qui ont participé année après année à la souveraineté alimentaire ici au Nouveau-Brunswick, aussi petites qu'elle est, mais qui sont partie intégrante de ce système-là et qui ont participé à développer nos communautés aussi par leur travail, puis qui ont des affinités humaines avec plein de gens de nos communautés. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect que ça fragilise encore plus le système alimentaire au Nouveau-Brunswick.
C'est un drôle de débat. Puis si vous m'auriez demandé 5 ans passés si j'aurais été la personne, dans le fond, à défendre la rentrée de travailleurs migrants temporaires pour faire le travail agricole au Nouveau-Brunswick, je ne suis pas certain que j'aurais répondu oui très rapidement. Mais ce système-là, comme je disais tout à l'heure, ça fait 40 ans, 50 ans qu'il est en évolution. Puis là, on est rendu à un point. Puis la main-d'œuvre étrangère fait partie intégrante de notre système alimentaire. Puis on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Là, après ça, de parler des conditions des travailleurs étrangers, c'est extrêmement important de leur permettre des meilleures conditions comme le droit à l'autodétermination. Donc, moi, la règle qui me fâche le plus avec les travailleurs migrants temporaires, c'est qu'ils n'ont pas le droit de changer d'employeur une fois arrivés au Canada. Donc, ils signent un contrat avec un employeur. Donc, si ça tombe être un employeur qui est abusif, il n'a pas le droit, il y a deux choix, soit qu'il retourne à la maison ou qu'il reste travailler là. Fait que ça, pour moi, c'est une aberration là, au niveau des droits humains. Mais il faut, sur le moyen terme, qu'on réfléchisse à pourquoi les gens de nos communautés, de moins en moins, sont attirés vers le travail agricole. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça, aux conditions de vie des agriculteurs, des paysans, des paysannes, qui gagnent souvent sous le seuil de la pauvreté, les conditions la valorisation de ce travail-là. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, j'ai étudié à l'université de Moncton, j'étais dans un programme double majeur, d'éducation, pédagogie et géographie. Et puis, je me concentrais beaucoup sur des études, sur la littérature du développement rural. Et ça m'a amené à étudier beaucoup les effets sociaux des communautés agricoles. Et donc, il y a un été, j'ai décidé d'aller travailler sur une ferme. Et c'est là que j'ai décidé que moi, j'allais devenir paysan. J'avais adoré mon été, j'ai adoré mon travail, j'ai adoré ce lien-là avec la terre, le lien d'éleveur qui s'est développé avec les animaux, tout ça. Et puis, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais devenir agriculteur. Quand je suis retourné à l'université en septembre, j'étais président de l'association étudiante de l'université, donc la FECUM au Nouveau-Brunswick, Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton. Et puis, lors d'une réunion, j'avais dit que mon rêve était de devenir paysan, de devenir agriculteur. Puis je me rappelle que haut placé de l'université m'avait regardé, il m'avait dit « Pourquoi tu ferais ça, Kevin? » Ça fait des années que notre génération, on se bat pour que ta génération ne soit pas obligée de retourner là où nos grands-parents étaient. Puis ma réaction a juste été de le garder et de dire « Tu manges-tu pas 3 fois par jour, toi? » Comme c'est quoi cette dévalorisation-là du travail agricole qui s'est faite pendant des années va prendre des années à renverser. Et puis, je me rappelle même plus que ce qui était la question initiale. Là, j'ai décollé sur quelque chose. Non, en fait, la question, c'était... Ben, je pense que tu as assez bien répondu, mais c'est quoi ta position par rapport... à la bonification, je ne me souviens plus moi-même. C'est quoi ta position sur la bonification salariale des travailleurs locaux pour compenser la pénurie de main-d'œuvre d'extérieur, dans le fond? Oui, c'est encore là, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. On fait affaire avec des êtres humains, même ceux qui viennent d'ailleurs, là, c'est des êtres humains, pareil comme nous autres. Et donc, ils ont une place. Puis je pense que, encore une fois, comme je disais, leur condition doit être augmentée. Leur possibilité aussi de rester ici, pas juste sur des contrats de travail, est très important. Des gens qui veulent s'investir dans nos communautés, tout comme nous, si on décidait, on pourrait aller s'investir dans leur communauté. Et donc, ça, faut y réfléchir. De l'autre côté, si vous me dites agriculture subventionnée par l'État, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est un droit fondamental.
celle de se nourrir. Et donc, un État se doit, dans le fond, d'assurer cette possibilité-là. Et si ça veut dire des subventions, je suis complètement d'accord. Puis même que j'irais plus loin en disant que dorénavant, il devrait avoir un salaire minimum garanti, surtout au niveau de l'agriculture. Je pense que pour la population en général, ça serait bien, mais au niveau des travailleurs agricoles, il y a tellement de facteurs qui sont incontrôlables, surtout la pression des marchés internationaux pour les agriculteurs, qui devraient avoir une reconnaissance du travail important et essentiel des paysans et des paysannes, en assurant qu'ils ont des conditions de vie qui sont dignes. Mm-hmm. Même moi, cet été, je voudrais travailler sur une ferme, puis je suis en recherche un peu de trouver une ferme qui recherche des travailleurs agricoles. Je suis sûr qu'il y en a plein, mais en même temps, je suis à Montréal, fait que ça complique un peu la chose. Ça fait pas mal de voyagement. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup d'intérêt là-dedans. Je me suis pas mal intéressé à ta ferme Terre Partagée. J'ai checké un peu votre site web et tout. Explique-moi un peu, c'est quoi la mission de votre coopérative? Oui, c'est ça. Nous autres, on est une coopérative de travailleurs. Donc, une de nos valeurs fondamentales, c'est l'autogestion, le pouvoir aux paysans, aux gens qui sont des producteurs primaires, dans le fond, de nourriture. Et donc, dans le fond, c'est une ferme familiale qui est sur le bord de mon épouse. Donc, les quatre membres de notre coopérative sont mon épouse, Rebecca Fraser-Chiasson, mon beau-père, Jean-Hugues Chiasson, un partenaire originaire du Québec, mais maintenant acadien, Pierre-Olivier Brassard, et puis moi-même. Donc, nous, on est les quatre membres fondateurs et encore les quatre seuls membres pour l'instant, même si on cherche à grandir la coopérative dès aujourd'hui, si on le pouvait. Mais la mission, c'est vraiment de pouvoir permettre à des paysans de vivre de leur travail de la terre. Donc, c'est d'essayer de créer un système d'autogestion où les paysans sont en contrôle de la production primaire, mais aussi d'une certaine transformation de ces aliments-là pour pouvoir permettre, dans le fond, un mode de vie qui est agraire et pouvoir en vivre à l'année longue sans être obligé d'aller travailler à l'extérieur pour arrondir ses fins de mois ou travailler l'hiver dans un autre domaine ou dans le fond, la mission envers les gens, c'est de nourrir notre communauté. Donc, nous, 100% de nos produits sont vendus sur le marché local. On ne cherche pas à faire de l'exportation de nos produits. On cherche à développer les marchés ici localement, de nourrir nos communautés, puis d'essayer d'arriver à une façon de nourrir tout le monde à des prix qui sont raisonnables et qui sont accessibles à toutes les gens de notre communauté. Comme je disais, c'est une ferme familiale qui est dans la famille depuis 1886. Fait que ça fait longtemps. Rebecca, mon épouse, est sixième génération, mais c'est seulement depuis 2018 qu'on est officiellement devenu une coopérative. Donc, mon beau-père Jean-Hugues cherchait une façon à assurer une pérennité pour encore beaucoup de générations de cette terre ici. C'est pour ça qu'on l'appelle la terre partagée. C'est la coopérative ferme terre partagée. On veut que cette terre ici, on reconnaît qu'on fait de l'agriculture sur des terres non cédées du peuple Mi'kmaq. Et donc, on les remercie. on a des liens assez proches avec la communauté d'Elsibokto, qui n'est pas loin d'ici. Puis on les remercie énormément pour la chance de pouvoir produire des aliments sur leurs terres non cédées. Mais c'est aussi de partager le fruit de nos labeurs avec les gens qui nous entourent. Puis je crois que pour nous, le projet paysan, pour les paysans nous-mêmes, ben c'est d'assurer notre plus grande souveraineté alimentaire ici même à notre ferme. Donc, on fait une production qui est très diversifiée. On fait 55 variétés de légumes, fruits et légumes à peu près, sur la ferme, sur une petite échelle quand même, sur à peu près 5 acres, donc 2 hectares. On fait après ça une production à échelle humaine de cochons, de porc. On fait une petite production de bœuf.
On fait des poules pondeuses sur pâturage, on fait du poulet, de la dinde, et puis nos voisins font de l'agneau. Eux sont membres producteurs de la coop, et puis nous, on s'occupe de la mise en marché de leurs produits. On fait tout notre grain ici à la ferme. La seule chose qu'on achète de l'extérieur au niveau du grain, c'est le soya, qui est d'un agriculteur qui n'est pas très loin d'ici, qu'on achète du soya non OGM de lui. Et puis, on fait tout notre foin ici à la ferme. On compromette sur nos terres. On est une ferme à circuit fermé. Puis après ça, on a tous nos projets de souveraineté alimentaire personnelle. Donc, on a une vache à lait juste entre nous autres. Malheureusement, le lait cru est chose illégale au Canada, mais on produit nos propres fromages, on fait vieillir de la viande, des saucissons. Moi, je commence dans le prosciutto, puis les coupes un peu plus difficiles à vieillir sur des longues périodes de temps. On a beaucoup de projets, dans le fond, pour assurer notre souveraineté alimentaire à nous-mêmes. Non, mais c'est génial. Est-ce que vous visez un peu l'autosuffisance alimentaire? Où c'est que vous êtes par rapport à, disons, à une autosuffisance complète sur votre ferme? Je dirais qu'on est quand même assez proche, même si nous, on pense qu'on est encore loin. Je pense que pour comparer à beaucoup de gens, on est très près de l'atteindre. Mais tu sais, on essaie toujours, comme je disais, vu qu'on est une coopérative de travailleurs, on cherche encore des partenaires qui ont des intérêts communs, qui ont des intérêts aussi de développer des nouvelles productions ici à la ferme pour nous aider à collectivement atteindre cette souveraineté alimentaire-là, non seulement pour nous autres, mais pour notre communauté. Donc, tu sais, je veux dire, une apicultrice, boulanger, boulangère, paysan, boulanger, tu sais, nous ici, on a l'espace pour mettre du grain du grain boulanger. On a un moulin, donc on pourrait ensuite prendre notre propre farine, faire du pain, fait développer, dans le fond, d'autres côtés comme ça. Mais je veux dire, au niveau de l'autosuffisance alimentaire pour nous, je veux dire, il y a des produits de base qu'on achète encore, qu'on n'est peut-être pas assez nombreux pour pouvoir tout faire, mais il y a toujours des expériences qui se fait faire. Tu sais. Je veux dire, moi, je fais du cidre de pomme. Si je manque ma batch, ben, je vais essayer de faire du vinaigre. Fait, tu sais, même tous ces produits-là. Mais je veux dire, je dirais que le produit qu'on achète le plus, c'est à ce moment ici, c'est le pain. On fait du pain des fois, mais on n'a pas tout le temps le temps. Mais on achète, tu sais, de façon régulière du pain. Après ça, des produits de base comme le sel, le vinaigre, souvent on va finir par l'acheter, des pâtes alimentaires, des choses comme ça. Mais on espère qu'en pouvant trouver des gens qui ont envie d'embarquer dans la mission de la coopérative, qu'on pourra, sur le court, moyen, long terme, développer une autosuffisance alimentaire collectivement. Je pense que de vouloir atteindre l'autosuffisance alimentaire personnellement, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Puis je pense qu'on est beaucoup plus fort ensemble, on est beaucoup plus fort collectivement. Donc, c'est impossible de penser qu'on peut tout faire. Collectivement, en augmentant le nombre de paysans qui sont ici sur la Pleasant Ridge, ou la Ridge, comme qu'on appelle, c'est la rue qu'on habite dessus, on arrivera toujours une étape plus près de ça. La collectivité, c'est un mot-clé assez important. Puis c'est tout à votre honneur. Félicitations. Puis on espère voir plus d'initiatives comme ça pulluler sur le territoire du Nouveau-Brunswick puis du Québec, ça c'est certain. Écoute, Canon, je pense que t'as pas mal répondu à toutes mes questions en répondant aux questions précédentes. Fait que, ben, merci beaucoup. Est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter, un autre point que t'as pensé qui pourrait être intéressant?
Non, je pense que j'ai pas mal tout touché. Puis Ouais, c'est bien complet. je veux vous remercier beaucoup pour l'invitation. Ça me fait un énorme plaisir de pouvoir partager ma passion d'un certain sens, mais aussi notre lutte commune. Puis la Via Campesina, son slogan, globalisons la lutte, globalisons l'espoir. Puis je pense que c'est toujours des paroles de fin que j'aime bien donner. C'est dans le fond, des fois, on a l'impression que le monde autour de nous, il est très loin de là où on aimerait qu'il soit, mais avec toutes les initiatives qui se passent partout, puis quand on se met en collectivité, ben on réalise que on avance, au moins on avance, je crois, même si des fois on recule, mais il y a une conscience qui avance. Je veux vous dire merci à vous autres pour votre travail chez Extinction Rebellion, et puis vous dire que je suis solidaire avec vous, Merci messieurs-dames. beaucoup. Merci beaucoup. Très inspirant. Kevin Arsenault, député du Parti vert au Nouveau-Brunswick. Donc, on espère se revoir bientôt. Absolument. Avec Au plaisir. revoir.